Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission Hiwar où j'ai le plaisir d'accueillir M. Najib Aqsbi, universitaire, enseignant, chercheur et économiste. Actualité oblige, si Najib Aqsbi a bien voulu répondre à nos questions concernant le nouveau modèle de développement, les propositions contenues dans le rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement, mais également discuter plus amplement des enjeux économiques, des enjeux financiers et également sociaux de la transformation du Maroc de manière générale. Monsieur Najib Aqsbi, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonjour. Vous avez un agenda très chargé ces derniers jours, mais quand même vous nous avez trouvé un créneau. Il faut dire que c'est une actualité brûlante qui nous occupe. Il y a toujours du temps pour les amis. C'est gentil, l'RT. Et l'actualité, elle est brûlante parce que là, on passe d'un grand événement sur le plan national, celui de la présentation des travaux de la commission spéciale sur le modèle de développement au roi Mohamed VI le 25 mai dernier. Depuis, on a pris immédiatement le rapport et les travaux ont été mis en ligne. On a pu prendre connaissance de l'approche adoptée par les membres de la commission, plus amplement des recommandations faites sur différents niveaux, des hypothèses qui ont été retenues et des objectifs fixés à l'horizon 2035. Mais pour aider à une plus grande compréhension des enjeux d'un tel rapport, surtout son effectivité et son réalisme par rapport au contexte économique, on aimerait bien avoir votre retour, puisque vous avez eu le temps de lire les propositions qui ont été faites par une commission qui a travaillé quand même pendant une année, composée de 35 membres au profil diversifié. Et moi, j'ai d'emblée besoin de savoir sur le plan macroéconomique, sur les choix économiques faits par le Maroc depuis l'indépendance et qui ont montré actuellement leurs limites. Est-ce que les propositions de la CSMD portent sur une rupture sur le plan doctrinal, ou bien on continue sur une économie de marché, un modèle plus ou moins libéral au Maroc, ou bien vous pensez que ça va toujours dans la continuité? Bien. Ben vous ne me demandez pas d'abord mon appréciation générale. Très bien. Vous passez directement à l'analyse macro, et donc je vais aussi aller directement à cette analyse pour répondre à votre question. Si vous voulez, sur le plan, d'abord sur le plan théorique, sur le plan conceptuel, je tiens quand même à préciser une chose, c'est que ce débat sur, alors, ce qu'on a fini par appeler modèle de développement, et que plus simplement, on devait appeler choix de développement, il y a un débat sur cette question depuis plusieurs années. Je vous rappelle que ce débat a commencé quand même en 2014, pas en 2017. Hein. C'est lorsque le roi, en 2014, avait déjà soulevé un certain nombre de questions sur le fond, sur où va la richesse de notre pays, etc., que la réflexion dans le débat public hein, était enclenchée. On avait constitué à l'époque un groupe de quelques 80 universitaires qui avaient réfléchi, qui avaient produit des choses. Bref, c'est pour vous dire que quand on a sorti cette histoire de nouveau modèle de développement, la première question qui venait à l'esprit, c'est de dire, c'est quoi un modèle? Qu'est-ce que vous entendez par un modèle? C'est tout simple. Il y a le terme aussi référentiel qui est revenu en cours de route pour dire que ce n'est pas forcément un modèle, c'est des orientations stratégiques, c'est un référentiel sur 15 ans. Non, mais pour l'instant, nous avons... Mais sur le format, effectivement, cela pose quelques questions. Ce n'est pas simplement question de forme, vous savez bien, c'est le fond qui est l'enjeu. Quand on dit modèle, ça veut dire qu'on est en train de parler, en fait, d'une expérience qui procède de choix. Lesquels choix ont réussi? C'est parce que ces choix ont réussi, et donc ont produit une meilleure situation, que après, a posteriori, pas a priori, a posteriori, ben il s'avère effectivement que cet ensemble de choix a donné lieu à l'émergence d'un modèle, c'est-à-dire quelque chose qui a tellement réussi qu'on a envie de l'imiter. Le mot modèle vient de là, qu'on a envie de faire
comme. Si vous parlez de la Corée du Sud, oui, vous pouvez parler d'un modèle. Il y a des composantes. Qui ont réussi. Qui ont réussi. Alors, là où le paradoxe chez nous, c'est qu'en même temps, le constat, c'était de dire que les choix ont échoué. Si ça n'avait pas échoué, on ne serait pas là en train de discuter. Des choix qui ont échoué, et on les appelle un modèle, et ensuite on constitue une commission pour lui dire de réfléchir à un nouveau modèle. Très bien, à la limite. Ok. Maintenant, on a le document. Eh bien, je peux vous dire, quand même, parmi la première des curiosités quand on ouvre ce modèle, ben, on a envie de dire, tiens, au moins, là, on a un document écrit, on va être instruit sur ce concept. On va savoir ce que cette commission entend par le modèle. C'est juste, d'ailleurs, pour clarifier les choses, pour éviter tout malentendu. Eh bien, non. Malheureusement, feuilleté de long en large le rapport, vous ne trouverez nulle part un moment, même un paragraphe, où la commission dit, voilà, il y a un débat sur ce concept, voilà ce que nous entendons par là. Alors, ce n'est pas simplement une question de forme. C'est une question de fond. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, dans ce rapport, ça apparaît clairement dès le début et tout au long des 170 pages du rapport général. On s'est imposé en fait un certain nombre de tabous, de lignes rouges. Et donc, il y a à la fois des expériences, des choix, des valeurs qu'on ne veut surtout pas toucher parce qu'ils relèvent de ce qui est une sorte d'option doctrinale. Et je vais arriver justement au choix. Parce que, bien évidemment, si on remet en cause les choix fondamentaux, ben, il faudra, au niveau de l'alternative, ensuite remettre en cause aussi tout ça. Or, de bout en bout, on constate dans ce rapport qu'on a soigneusement évité précisément de discuter les choix fondateurs, ben, qui ont échoué. Et comment voulez-vous faire un diagnostic objectif, productif, c'est-à-dire productif d'alternatives utiles. Sans diagnostic, sans regard critique. Alors, aussi. Quels sont, il faut quand même qu'on en discute, quels sont ces choix très rapidement, très très brièvement. C'est des choix qui ont été faits dans les années 60 et 70, mais qui sont à ce jour, et je, alors pour anticiper aussi la réponse, qui, selon ce rapport, vont aller au moins jusqu'en 2035. Ce sont donc des choix fondateurs, permanents. Deux choix. Le premier, c'est celui, effectivement, de l'économie de marché, du pari sur la capacité du secteur privé à devenir l'acteur majeur du développement, le principal investisseur, le principal créateur d'emplois, etc. Et le deuxième choix, ben, il est celui de l'intégration dans la mondialisation, la fameuse théorie de la croissance tirée par les exportations. Ça vous donne une impression de déjà-vu. Alors, ce sont ces deux choix. Il faut bien qu'on s'entende. Si on a fait une évaluation 50 ans après, parce que ce qu'il faut quand même aussi dire, et on va y revenir justement dans les mesures qui sont... Mais pendant 50 ans, qu'est-ce qu'on a fait d'autre que précisément formuler, élaborer, mettre en œuvre des politiques, un, pour développer l'économie de marché, pour renforcer le secteur privé, pour l'encadrer, pour l'inciter, pour le stimuler, pour qu'il devienne cet acteur clé. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on a fait d'autre que justement l'ouverture de l'économie, s'engager à tout va, à corps perdu, dans la mondialisation, dans la signature d'accords de libre-échange, dans le développement des exportations, bref. Donc, pendant 50 ans, 60 ans, ce qu'il faut quand même aussi savoir, vous savez, un économiste, c'est d'abord quelqu'un qui fait des arbitrages de ressources. Vous avez, les ressources sont toujours limitées par rapport aux ambitions, par rapport aux besoins. Et donc un économiste, c'est d'abord quelqu'un qui affecte les ressources en fonction d'objectifs déterminés. Dans le cas du Maroc, on a affecté des ressources pendant 50 ans, précisément pour atteindre ces objectifs d'économie de marché, de secteur privé et d'extraversion. Avec le résultat que l'on sait. On sait aujourd'hui, alors on a fait plein d'études, je veux dire, là il y a, aujourd'hui il y a suffisamment, y compris dans des rapports officiels. Je veux dire, par exemple, l'échec des politiques publiques, on va y revenir, notamment des accords de libre-échange, des plans sectoriels, du secteur privé. Il faut fouiller dans les rapports les plus officiels, nationaux et internationaux,
pour s'apercevoir, pour prendre acte du fait que ça n'a pas marché. Et donc, en 2020, une commission arrive. Sa première tâche, c'est d'essayer de faire un diagnostic aussi proche que possible de la réalité, aussi objectif que possible. Donc, on s'attend à ce que ça commence d'abord par interroger ses choix, le plus simplement du monde, et surtout dans le fond. Exemple, pourquoi, après 50 ans d'essai de développer une économie de marché, on se retrouve avec une économie gangrénée par la rente? Il s'est reconnu d'ailleurs dans le rapport. On reconnaît la question de la rente. Mais c'est juste pour que ça reste en fait à la superficie des choses. C'est juste pour considérer que la rente, on a l'impression dans ce rapport que la rente, c'est une affaire technique, c'est quelques méchants quelque part qui empêchent les entrepreneurs d'accéder dans des secteurs. Enfin, si on ne se pose pas la vraie question de la rente, c'est-à-dire comme en vérité une articulation forte entre le politique et l'économique, la rente, c'est un instrument de gouvernement, c'est une méthode de gouvernement. Elle est imbriquée dans les choix du système politique. Avec la rente, le système politique développe une clientèle, dans le monde de l'économie par exemple, et cette clientèle, elle lui devient redevable, donc elle devient aussi un rempart pour le régime. Donc il y a une articulation objective, je dis bien, entre le pouvoir politique et les rentiers, pour renforcer le système, pour asseoir le système. Si vous n'analysez pas la rente de ce point de vue-là, vous ne comprendrez rien à la réalité. Vous allez rester simplement à la surface des choses et vous n'aboutirez pas tout simplement au bon diagnostic qui va vous conduire vers les solutions appropriées. Donc, la même chose pour le secteur privé. Là aussi, je répète, pour quelqu'un, je suis quelqu'un qui Vous êtes en train de griller mon autre question, mais pour le secteur privé, non, mais parce que c'est très important. Même logique. Là, pour l'instant, on est simplement en train d'expliquer pourquoi le diagnostic, malheureusement, n'est pas bon. Parce qu'on a raté, en fait, on est passé à côté du vrai diagnostic. Je vous dis le secteur privé. Depuis 50 ans, quelqu'un qui suit la politique économique, les politiques économiques dans ce pays, je pourrais croire, je pense que je suis cette politique depuis des décennies, j'ai envie de dire juste, mais qu'est-ce que fait l'État depuis 50 ans, si ce n'est ce que ce rapport nous raconte pour la millième fois sur la nécessité d'inciter le secteur privé, de mieux l'encadrer, de mieux l'encourager. Mais enfin, c'est ce qu'on a fait depuis. C'est ce qu'on a fait depuis. Et donc, on peut vous dire. Si vous ne voulez pas rester à la surface des choses et que vous voulez entrer dans le fond des choses, ben vous posez des questions. Attendez, est-ce que cette classe, alors, disons, d'entrepreneurs entre guillemets, que nous nous acharnons à essayer d'encourager, de solidifier, etc., et qui n'y est pas, est-ce que ça serait pas, il n'y a pas un problème, en fait, de, je dirais, comme dire l'autre, il n'y a pas un problème, ben, tout simplement, de nature de cette classe sociale, mais qui, tout simplement, est spécifique. Nos responsables, peut-être, s'étaient mis en tête dans les années 60, 70, continuent aujourd'hui, qu'on pouvait avoir une bourgeoisie, comme la bourgeoisie européenne du 19e siècle, qui allait produire des capitaines de l'industrie, qui avait investi, bouleverser le système. Eh bien, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'y est pas. Et ce n'est pas faute de moyens, c'est pas faute de volonté. On a tout fait, on n'y arrive pas. Donc, est-il raisonnable, simplement, allez, est-il raisonnable de continuer à... On a l'impression que c'est quasiment cette conviction, est une sorte de... C'est une conviction doctrinale. On a presque l'impression que c'est religieux. On a à la fois une foi religieuse en les vertus du secteur privé et on ne veut pas en démordre. Et donc, on ne veut pas analyser la question sur le fond pour ne pas avoir à la remettre en cause au niveau des alternatives. Et pourtant, encore une fois, dire cela, encore une fois, je voudrais bien qu'on s'entende. Ça ne veut pas dire qu'il faut vouer le secteur privé aux gémonies, ça ne veut pas dire qu'il faut revenir au colcause ou au sauve-cause ou que sais-je. C'est simplement pour avoir la lucidité nécessaire
Vous savez, je vous assure, je peux ne pas être d'accord avec le haut commissaire au plan sur plusieurs choses, mais il a dit quelque chose, à mon avis, qui est très juste, hein, très juste. Il a dit clair, publiquement que l'État ne doit pas se substituer au secteur privé. C'est clair. Mais ne doit pas attendre le secteur privé. Et toute la question est là. Quand on fait une analyse juste des limites, en fait, des limites objectives de ce secteur privé, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on va le mettre au pilori. Mais ça veut dire simplement qu'on lui dit, très bien, allez à votre rythme, à la limite. Allez à votre rythme. On peut continuer à vous encourager en cas de nécessité, on peut continuer à vous inciter, pas de problème. Mais on ne met pas tous les cartes sur le secteur privé. L'État ne peut pas attendre ce secteur privé qui ne vient pas, et donc handicaper, conditionner le développement de tout le pays au rythme, je veux rester poli, hein, juste simplement au rythme, pour le moins insuffisant, d'évolution de ce secteur privé. Vous voyez, la même chose pour le choix, l'autre choix majeur qui est celui de l'intégration à la mondialisation, la croissance tirée par les exportations. Là aussi, malheureusement, aucune analyse fondamentale, aucune analyse objective. Pourquoi est-ce que 50 ans après, on a une balance commerciale dont le déficit représente presque 18% du PIB ? Vous imaginez ? Et l'allègement du déficit aussi, c'est grâce à un petit peu à la pandémie de la Covid. Non, attendez. Vous savez, nous sommes en train de faire des analyses sur 5, 6 décennies. Oui. J'analyse ici le temps, on dit le temps long. Oui. Et nous sommes en train d'analyser des tendances qu'on a observées. Profondeur. Pour vous dire, par exemple, le déficit de la balance commerciale, à votre avis, le premier déficit enregistré, c'est quand ? C'était en 1974. Étonnez-vous bien, depuis 1974, vous imaginez, hein ? En fait, c'était le premier déficit, après le premier boom pétrolier. La tendance ne s'est jamais inversée. Mais depuis 1974, nous n'avons jamais retrouvé l'équilibre de la balance des paiements. Je ne parle pas d'excédent. Et aujourd'hui, nous avons un taux de couverture de 60%. C'est-à-dire que quand nous importons 100, nous exportons à peine 60. Enfin, pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui en déficit avec tous les pays, il n'y a pas d'exception, tous les pays avec lesquels on a signé des accords de libre-échange ? C'est des questions quand même fondamentales, ça nous interpelle. On ne peut pas passer ça par perte et profit comme ça, se contenter de choses, dire « Ah, mais il y a un problème de compétitivité ». Mais enfin, compétitivité, laquelle compétition est liée à une… Encore une fois, on nous rabâche les oreilles avec des histoires de coûts des facteurs. Il faut bien comprendre. Ce sont des vrais. Ces problèmes qui sont abordés comme étant des nœuds de. Je ne dis pas que ce n'est pas des problèmes, attention. Mais ce n'est pas les seuls. Mais c'est loin d'être. Non, pas simplement, ce n'est pas les seuls. C'est loin d'être les plus importants, encore une fois. Là, par exemple, encore une fois, sur le commerce extérieur, sur l'intégration. Mais il faut se poser des questions plus fondamentales. Par exemple, pourquoi nos exportateurs. Et on revient à la nature de ces. Opérateurs, de ces exportateurs, de ces dits entrepreneurs, pourquoi ne font-ils pas preuve d'au moins autant de dynamisme que par exemple les Turcs qui sont venus envahir en raison du même accord de libre-échange, hein ? Pourquoi depuis 50 ans que nous parlons de nécessité de diversifier les exportations, les pays d'exportation, les marques, depuis 50 ans ? Moi, depuis des décennies que j'apprends à mes étudiants ces choses-là. Et en 2021, on ressasse la même chanson. Il y a quand même un problème. Encore une fois, est-ce qu'il ne faut pas se poser des questions plus fondamentales ? À part la question de la nature, des opérateurs, etc. Mais des choses plus fondamentales. Est-ce que l'économie marocaine, est-ce que l'économie marocaine est réellement capable aujourd'hui, dans les conditions où elle est ? Pour aller sur les marchés internationaux, devenir compétitif, en clair, gagner au libre-échange. Est-ce qu'on a fait les réformes nécessaires, préalables ? Quand vous voyez l'histoire de tous les pays qui ont réussi. Ils n'ont pas commencé par signer des accords de libre-échange. Non. Ils ont commencé par faire des réformes fondamentales à l'intérieur, construire un tissu économique, un tissu productif, compétitif réellement, productif, et une fois qu'ils étaient sûrs qu'ils avaient quelque chose à vendre sur le marché mondial, ils se sont ouverts. Nous avons fait exactement la séquence inverse. Nous avons mis la charrue devant les bœufs.
Nous avons commencé par signer sans réfléchir, sans études, mais sincèrement, de manière très peu sérieuse. Oui. On a signé à tort et travers des accords. Oui, une cinquantaine d'accords de libre-échange en si peu de temps. On a été réduit à se la hanter. C'est pas raisonnable, c'est pas rationnel. Et donc, vous voyez là aussi, ce rapport, en se privant de faire le diagnostic nécessaire, les analyses incontournables, ben évidemment, il passe à côté du problème et donc il passe à côté des vraies alternatives et on va y revenir. Il y a un autre élément, à mon avis, dans le diagnostic. Des failles, des vides incompréhensibles, honnêtement. Parce que n'importe qui, connaissance simplement légère des politiques publiques conduites dans ce pays depuis 20 ans. Vous lui dites quelles sont les politiques qui structurent l'économie marocaine depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'il va vous répondre? Ben, il va dire les grands chantiers, bien évidemment. Les plans sectoriels, bien évidemment. Les accords de libre-échange. Et l'INDH. Voilà, quatre politiques majeures qui structurent l'économie marocaine. Eh bien, peut-on comprendre que dans ce rapport, il n'y a pas l'ombre d'une analyse de ces quatre politiques? Ne serait-ce que pour... Alors, j'entends bien. Il y a des politiques qui ont des aspects positifs, hein, il faut les dire. Il y a quelques grands chantiers qui sont intéressants. Mais à côté de ces des réussites, comment se passer de mettre la main sur ce qui ne marche pas? Et Dieu sait combien ce qui ne marche pas est prépondérant. Est-ce que tous les chantiers, les grands chantiers marchent? Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui dans un pays qui a cultivé des troupeaux d'éléphants blancs? Nous avons aujourd'hui des éléphants blancs partout, qu'il s'agisse de certaines autoroutes, qu'il s'agisse de certaines stations des énergies renouvelables, qu'il s'agisse évidemment du TGV, des stations touristiques. Ce sont des investissements, des grands chantiers, extrêmement coûteux, qu'on a financés par de l'endettement et que donc il va falloir rembourser, mais qui objectivement posent problème. Là aussi, si on se contente simplement de dire, comme j'ai vu là, les seules, une fois ou deux fois on parle des grands chantiers, c'est pour dire, ah c'est magnifique, c'est formidable. Enfin, est-ce que c'est sérieux? De la part d'une commission qui est là pour réfléchir sans concession sur le fond. Et est-ce que, justement, les chantiers qui ne marchent pas ou qui posent problème ne méritent pas une réflexion critique et ne méritent pas d'être médités? Encore une fois, au moins, arrêter l'hémorragie aussi. Quand on fait une analyse critique, vous pensez bien, c'est pas pour mettre le doigt sur là où ça fait mal. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de tirer les leçons. De tirer les leçons pour l'avenir. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Quand je critique une politique, ce qui m'intéresse, c'est de prendre ce qui ne va pas pour pouvoir ensuite proposer quelque chose qui permet de ne pas refaire les mêmes erreurs. Tout simplement de faire en sorte que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. C'est tout simple. Mais il n'y a rien. Il n'y a aucune réflexion. Pareil pour les plans sectoriels. Là, c'est les plans sectoriels, là aussi. Discuter avec des ministres. Je peux vous dire qu'il y a un point de vue assez répandu, largement répandu, pour dire que ça ne marche pas. La question de la mise en cohérence des politiques. C'était une question qui a été soulevée depuis 2013-2014. Comment voulez-vous projeter une politique globale, cohérente pour l'avenir, si vous n'entrez pas dans l'analyse critique des différents plans, d'abord un à un, ensuite dans leur ensemble et leur donc déficit de cohérence, etc., pour pouvoir ensuite être en mesure de proposer quelque chose? Rien. Il n'y a rien dans ce rapport. J'ai parlé des accords de libre-échange, je pourrais parler de l'INDH, bref, on ne va pas... On peut en fait, les exemples sont légion. Sincèrement, ce qui me paraît assez frustrant, mais ce qui est frustrant, c'est qu'on a l'impression que parce que, je vous dis, d'entrée de jeu, on s'est imposé des lignes rouges.
il y a des questions à ne pas traiter. Il y a des questions à ne pas examiner. Donc, à votre avis, et donc, il y a à partir de là, le diagnostic n'en est pas un. En fait, c'est un état des lieux partiel. Moi, je dirais, c'est comme, c'est pas un diagnostic. C'est un état des lieux très partiel et donc partial. Et puis c'est tout. Et donc, à partir de ce moment-là, on va se diriger vers des alternatives qui, je vous dis, dans le meilleur des cas, sont de la une millième répétition de ce qui a déjà été fait. Dans certains cas, peuvent être dangereuses et on y revient si vous voulez. Mais on a un sentiment de déception, objectivement. Je répète, encore une fois, vous savez, d'autant plus que l'attente était forte. Je vous l'ai dit, depuis des années qu'il y a cette question de discussion, de débat sur les choix de développement qui est sur la place publique. Et depuis des années qu'on attend une alternative. Quand ça arrive, je vous le dis, je le dis en toute amitié, sincèrement, avec, je n'ai pas du tout envie de polémiquer avec qui que ce soit. Je n'ai que des amis et je ne veux pas polémiquer. Mais difficile, franchement difficile, de ne pas, disons, avoir cette impression d'une montagne qui a accouché du sourire. Alors, pour revenir sur un terme que vous avez cité et qui m'interpelle, celui de la lucidité. Il y a un point que, très, en fait, des éléments chiffrés, que sont les hypothèses et les objectifs chiffrés à l'horizon 2035. Moi, j'en retiens deux qui m'ont le plus interpellé, celui de la croissance annuelle à 6% et également le doublement du PIB. À votre avis, les recommandations telles qu'elles ont été formulées, est-ce qu'on peut dire que c'est un objectif qu'on peut atteindre, sachant bien évidemment que ces taux, on les voit dans des programmes électoraux de partis à la veille des élections, etc. Mais au bout du mandat, jamais réalisé. On oscille entre les 3,5, 3,6, 4,2, grand maximum, 4,5, au meilleur des cas. Est-ce que ce sont des objectifs qui sont réalisables? Alors, d'abord, justement, vous l'avez rappelé, sur le constat, on est première décennie des années 2000, sur 4,5, 4,6. Un taux moyen qui est très insuffisant, mais qu'on aimerait avoir aujourd'hui. Parce que la deuxième décennie, depuis 2000, on est tombé à 3,4, 3,5. Sur les deux dernières années, on est à moins... Bon, je ne parle pas de l'année 2000, mais sur 2017-2018, on est tombé à en dessous, un taux moyen inférieur à 3%. Vous imaginez? Alors, très bien. Dans ces conditions-là, on vient nous dire on va doubler le PIB par tête, en PPA, et pour cela, il faut faire du 6%. Je vais vous dire, moi, je n'ai pas envie de vous dire comme ça, a priori, c'est bon, pas bon, c'est réaliste, pas réaliste. Moi, je vous dis, ça vaut ce que valent les conditions qu'on met en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs. Tout simplement. C'est les conditions ne sont pas... D'abord, il faut qu'on s'entende. 6%, je répète encore, c'est insuffisant. Si on veut, vous savez, on a fait plusieurs fois des projections... C'était les 7-8% pour les pays émergents pendant au moins une décennie. On l'a dit, il faudrait, pour atteindre le niveau de la Turquie, 11 000, 12 000 dollars nominal, pas PPR, il faudrait faire du 8% pendant 15 ans à 20 ans, en moyenne. Hein. Donc, 6%, déjà je prends acte du fait que, pour moi... C'est une ambition limitée. C'est une ambition très limitée, on parle quand même de 2035, on parle de 2035. Hein. Bon, ok. Mais... essayons d'examiner la faisabilité. Et là, encore une fois, voilà un problème directement lié avec le diagnostic. Aujourd'hui, on continue de voir, chaque année, on peut le constater, qu'en réalité, le taux de croissance finale dépend de la pluie et du beau temps. Tout simplement. Ça veut dire que cela dépend de la campagne agricole, et en particulier dans la campagne agricole, de la campagne céréalière, parce que c'est ça qui détermine, si vous voulez, c'est la récolte céréalière qui détermine le PIB agricole, qui à son tour détermine le PIB global de l'ensemble de l'économie. Cette réalité
nous la constatons depuis 50 ans et à ce jour. Vous n'avez qu'à voir les trois dernières années, 2019, année de sécheresse en dessous de 2%, 2020, pareil, cette année, il pleut, il a plu, alhamdoulilah, eh bien, ça va tirer un peu vers l'eau. Bref, alors, sur le fond maintenant, de l'analyse, la seule vraie question de ce point de vue-là, qui vaille le coup, qu'est-ce qui est prévu dans ce rapport ? Précisément pour autonomiser la croissance du PIB dans son ensemble par rapport aux aléas. Les caprices du ciel, on va dire. Aux aléas climatiques, etc. Qu'est-ce qui est fait pour autonomiser, pour casser cette relation et qui donc autoriserait ensuite à ce que, ayant une économie assez autonome, ben oui, après, on est sur des choses qu'on... Parce que le problème avec la pluie et le beau temps, c'est qu'on ne maîtrise rien. Personne ne peut rien maîtriser. On est obligé de regarder le ciel tous les matins pour pouvoir faire des prévisions économiques. C'est pour ça qu'on appelle la loi finance. Oui. Bon. Mais si, par contre, on a réussi un degré acceptable d'autonomie, on ne va pas, on sait bien la réalité plus profonde, comment ils sont. Bon, mais une autonomisation, un degré assez raisonnable. Là, après, bon, on va être, par exemple, avec le secteur industriel, avec le secteur des services, avec des choses donc qu'on peut relativement maîtriser. On peut même se donner un peu l'illusion qu'en actionnant enfin, les lois de l'économie traditionnelle, en augmentant le taux du capital, eh ben, on peut effectivement arriver à enclencher une croissance en conséquence. Ça n'est pas là aussi. Regardez ce rapport, regardez les 150 pages du rapport, regardez les 350 pages des annexes, etc. Vous ne trouverez rien, aucune réflexion dans ce sens. Donc, faute de politique capable justement d'affronter, là je parle d'un seul problème, hein, de l'agriculture. Je pourrais parler par exemple du foncier. Pas un mot dans ce rapport, alors que tout le monde sait, vraiment, tout le monde sait que s'il y a un problème numéro un, s'il y a un problème qui plombe le développement agricole et rural, hein, plus de, c'est d'abord la structure foncière qu'on n'a jamais réglée et qu'on continue aujourd'hui de traîner, etc. Bien, peu importe. On n'a rien fait pour répondre à cette dépendance de la croissance des aléas climatiques. Alors, par quel miracle est-ce qu'on veut ? On va sécuriser, parce qu'il s'agit de 6%, je rappelle, c'est une moyenne, donc il s'agit de sécuriser. Ça veut dire que si, par exemple, une année, il y a une sécheresse par des aléas climatiques, ouais. Et que donc le taux de croissance tombe à 1 ou 2%, bah, l'année suivante, il faudra qu'on fasse 10, 12%. Mmh. Est-ce que c'est réaliste tout ça ? Donc vous voyez, moi je ne dis pas, dans l'absolu comme ça, c'est réaliste, pas réaliste, c'est optimiste, c'est pessimiste. Mmh. Je dis, ça reste conditionné, il n'y a en fait, pas, de... le rapport lui-même ne propose pas les solutions appropriées pour faire en sorte que ce taux puisse s'accroître et puisse ensuite effectivement être sécurisé. Vous savez, je vais vous donner un autre exemple qui justement est directement lié. Et là, croyez-moi, on est vraiment là encore au cœur de l'analyse économique et de ce que malheureusement, encore une fois, ce rapport a complètement passé sous silence. La question, eh bien, tout simplement des performances de l'investissement. Vous savez, là aussi, il y a un grand paradoxe dans l'économie marocaine et qui est, encore une fois, reconnu par des rapports officiels. Tout le monde aujourd'hui vous dira qu'un des grands problèmes de l'économie marocaine aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'on a des taux d'investissement. De formation du capital très élevé, supérieur à 30%, ce sont des taux d'investissement plus qu'honorables, mais en même temps, tout le monde peut constater que cet effort d'investissement, cet effort d'accumulation, ne produit ni assez de croissance, ni assez d'emplois. Il y a un problème. Donc, le constat, alors les officiels ont mis du temps pour le reconnaître, mais il y a un rapport de HCP, je crois qu'il date de 2015, les sources de la croissance, et qui a posé ce... Bien, bref. Donc, encore une fois, il s'agit de raisonner, de réfléchir sérieusement, profondément, sur les raisons d'un tel état des faits. Pourquoi, comme nous l'apprennent les manuels d'économie, oui, la théorie du ruissellement, pourquoi l'investissement ne génère pas un taux d'investissement aussi important ne génère pas de croissance. Bien. Eh bien, évidemment, dans ce rapport, vous ne trouverez rien du tout là-dessus.
Rien, rien du tout, mais pas une allusion. Bon. Alors, essayons de faire l'effort à la place. On sait que le problème, il est, encore une fois, d'ailleurs, toujours, c'est dans la nature de l'investissement. C'est-à-dire les projets d'investissement, on le voit bien, là, on va tout de suite sur les grands chantiers. Les grands chantiers. Quand vous prenez la plupart des grands chantiers, quand vous construisez une autoroute qui ensuite est fréquentée à 10-15% de sa capacité, regardez ça, les statistiques, hein. Quand vous montez des stations, vous investissez massivement dans des stations touristiques qui restent vides. Quand alors vous faites le TGV, alors on est en train de parler simplement d'efficacité, on ne parle pas de pertinence du choix. C'est un autre grand problème. Bon, mais quand vous voyez qu'aujourd'hui, le TGV fonctionne, mais tout un chacun sait que l'usager aujourd'hui paye un billet 3-4 fois moins que le coût. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, les déficits de l'ONCF vont être pris en charge par le budget de l'État. Et ça veut dire aussi que ce qu'aujourd'hui, nous aujourd'hui, on est bien contents de prendre le TGV, prix pas très cher, tout le monde est content, l'usager est content. Mais enfin, il n'y a pas de mystère. Ce que ne paye pas l'usager aujourd'hui, c'est le contribuable qui le paye. Et donc, là, vous voyez bien qu'on est... La station solaire Nord, là aussi, il y a des études maintenant, il y a des rapports qui ont été publiés, il y a le Conseil économique et social et qui vous dit que les choix technologiques qui ont été faits, eh ben, sont catastrophiques, sont désastreux. Et résultat, pour résumer, c'est que nous avons un déficit aujourd'hui de 800 millions de dirhams qu'on va supporter sur 20 ans. Ça veut dire à peu près sur 20 ans, encore une fois toujours, le budget de l'État, c'est-à-dire le contribuable. Les contribuables que nous sommes, on va payer presque 16 milliards liés à des choix malheureux, erronés en la matière. Donc, on peut multiplier les... Ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, on fait beaucoup d'investissements, mais compte tenu des choix, je répète, des choix d'investissement, ce n'est pas l'investissement en lui-même qui pose problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'investissement, quelle est l'affectation des ressources. Or, aujourd'hui, force est de constater que pour une très grande part, les choix qui ont été faits se sont révélés malheureux. Le résultat, vous avez des chantiers, donc des grands projets, qui, parce qu'ils sont soit sous-utilisés, vous avez des aéroports aujourd'hui qui fonctionnent aussi à 10-15% de leur capacité. Donc comment voulez-vous rentabiliser un investissement s'il est utilisé à 10, soit qu'il est utilisé à 15-20% de ses capacités, soit qu'il est déjà d'office, d'avance, déficitaire. Et donc, il va devenir un fardeau pour les finances publiques. Donc, vous voyez bien la relation entre des investissements qui ne sont pas productifs de valeur, ou très insuffisamment, et l'impact sur la croissance et l'emploi. De tels investissements ne peuvent pas, effectivement, générer de la croissance et de l'emploi. Et donc, vous voyez bien, si on veut raisonner, répète très objectivement, il faut remettre en cause ces investissements. Il faut remettre en cause ces choix d'investissement. Or, encore une fois, c'est le tabou. C'est la ligne rouge. Ce rapport ne veut surtout pas engager cette discussion. Je répète, encore une, je vous assure, moi, on a l'impression qu'on est en train de parler de quelque chose qui relève de la... C'est de la subversion. Mais enfin, c'est du bon sens, tout simplement. Est-il permis dans ce pays de dire que tel grand chantier est un désastre financier ou tout simplement qu'il ne correspond pas aux besoins, aux priorités du pays? Comment, je veux dire, faire accepter? Encore une fois, on est quand même... Moi, j'ai une haute idée des gens qui réfléchissent dans ce rapport. Comment est-ce qu'on peut accepter de fermer les yeux sur... Donc, en matière ferroviaire, un TGV que vous installez, donc je vous dis qu'il est un gouffre financier, de toute façon, dans une région qui est déjà, où il y a déjà une autoroute, il y a déjà un train normal, etc., et vous ignorez
tout simplement les trois quarts du territoire. Par le bas, aller à l'est jusqu'à Zagora, vous n'avez pas de train. Jusqu'à Dakhla, vous n'avez pas de train. Comment accepter de ne pas remettre en cause, mais là, vous voyez, la pertinence des choix. C'est-à-dire, est-ce que c'est des choix qui correspondent aux besoins de la population? Est-ce que c'est des choix qui sont prioritaires par rapport aux véritables priorités de la population? Surtout de la population des régions déshéritées, des régions marginales, des montagnes. C'est le bon sens, simplement, de dire, Audi, ce sont des investissements qui n'ont pas produit les résultats sur la croissance et l'emploi, parce que déjà, à la base, ce sont des investissements qui ne correspondent pas aux besoins de la population et qui ne sont pas, pas de ne sont sur ni productifs, ni rentables. Et quand je dis de rentabilité, je ne parle pas simplement de la rentabilité financière, je parle de la rentabilité économique, de la rentabilité sociale. Sociale, l'employabilité. Alors, mais vous voyez pourquoi, encore une fois, la Commission, ce rapport, se garde bien de toucher à cet interdit, je vais dire. Et par conséquent, lorsqu'on arrive aux propositions, rien. Alors je reviens justement à la relation avec le taux de croissance. Est-ce que raisonnablement, on peut tabler même sur 6% que je considère, qu'on peut considérer insuffisante, mais 6%. Est-ce qu'on peut raisonnablement, donc projeter une croissance de 6% sur 15 ans si on n'a pas réformé, si on n'a pas fondamentalement remis en cause ces choix d'investissement? Il n'y a pas de mystère. Si on ne les remet pas, les mêmes causes vont continuer de produire les mêmes effets. D'un côté, vous aurez une agriculture qui continue à fonctionner en fonction de la pluie et du beau temps. De l'autre côté, vous aurez des investissements qui continuent d'être contre-productifs. Vous aurez une industrie qui se désindustrialise, en fait. C'est un pays qui se désindustrialise. Je vous rappelle que le plan d'accélération industrielle nous promettait une part de l'industrie qui irait à 23% à l'horizon 2000. Nous sommes en 2021 et la part de l'industrie dans le PIB ne dépasse pas 16-17%. Vous voyez, il y aurait quelque chose de cruel. Il y a des éléments à vous rappeler les objectifs contenus dans les différents plans depuis 20 ans. Et qui aujourd'hui se révèle le débat, je veux dire, farfelu. C'est le débat qui se pose actuellement, malgré toutes les explications et les garanties avancées sur les mécanismes de pilotage, de suivi beaucoup plus rigoureux de la réalisation de ces objectifs, des rapports annuels de savoir est-ce qu'on avance à la bonne cadence sur les objectifs qui sont fixés par la Commission. C'est un débat qui se pose actuellement. Pourquoi ce modèle, ce référentiel ou bien ces orientations stratégiques réussiraient là où d'autres initiatives ont échoué? Et justement, je vous ramène sur votre domaine de prédilection, c'est celui de la fiscalité en fait. On retrouve quelques propositions fiscales figurant dans le rapport et ce sont, pour certaines sont très ambitieuses, d'autres sont là également pour renflouer les mécanismes de financement de ce modèle de développement. Mais la question qui se pose, pourquoi ces propositions aboutiraient là où ont échoué les troisièmes assises sur la fiscalité? En fait, cette question reste largement sous-exploitée. Les promesses sont là, mais pour le cas précis des troisièmes assises sur la fiscalité, lors de l'élaboration du projet de loi de finances 2021, on a vu que le nombre de recommandations qui ont pu filtrer reste vraiment minime par rapport aux attentes qui étaient exprimées à Sriratz en mai 2019. Je vais vous dire. Je vous assure, cette partie sur la fiscalité aussi, mais c'est une des parties la plus décevante. Et je dirais même de manière difficilement croyable. Je veux dire, on avait atteint un niveau dans le débat public, comme vous l'avez rappelé aussi au niveau des assises, où on se disait, il y a quand même une sorte de seuil qui a été franchi. Il est difficile, à ce niveau, avec un tel rapport, de rester en deçà. Difficile. Alors, je vais vous dire,
sur cette question. D'abord, je pense qu'il faut quand même bien... c'est une question de méthode, simplement. Vous savez, dans tous les rapports de ce type, quand vous avez une réforme à laquelle que vous considérez essentielle, évidemment, vous la traitez en long et en large dans le rapport principal, dans le rapport général. Vous la mettez aussi, quand vous faites un résumé synthétique, vous la mettez bien en valeur dans le résumé synthétique. Et après, si vous voulez, vous développez, vous complétez, etc., dans les annexes. C'est comme ça que ça se fait. Alors maintenant, on nous dit la fiscalité. Et moi, tout simplement, j'ai été voir qu'est-ce qui est dit dans ce rapport sur la fiscalité. Alors, première chose, surprise, dans le rapport de synthèse de 16 pages, il n'y a pas un mot, je dis bien, il n'y a pas un mot sur la fiscalité. Alors, on s'est dit, vous savez, c'est pas, vous savez que... Vous le savez, en tant que 90% des gens se contentent, généralement dans son journal, 90% des gens se contentent de lire le rapport synthétique. Ben, c'est pas le... Bon, bref. Donc, pas un mot. Vous allez dans le rapport général, 170 pages. Sur 170 pages, j'ai ici le passage concernant la fiscalité, c'est à la page 98, c'est exactement 11 lignes, je dis bien 11 lignes, et une demi-ligne. Ok. Alors, je vais, c'est important, hein, pour qu'on sache, parce que je vais vous dire honnêtement, j'ai été un peu peiné, hein, peiné d'entendre, je crois que c'était avec vous, plus quelqu'un, un membre de la commission, dire que, alors bon, je ne veux pas, mais c'est, à nouveau on nous ressort ces histoires de les nihilistes. Je pensais vraiment qu'on se situait un peu au-dessus, mais rassurez-vous, je ne veux pas polémiquer, je ne vais pas me situer à ce niveau. Mais enfin, sur le fond, on nous dit qu'on a prévu des réformes fiscales et on les aligne, etc. Et moi, donc, très simplement, je vais dans le rapport. Pour les trouver. Je vous dis, je trouve page 98, et c'est important de vous dire qu'est-ce qu'on propose. Première chose, réduire les charges fiscales pesant sur les activités productives et concurrentielles. Alléger de manière substantielle le taux de l'impôt sur les sociétés pour les activités exposées à la concurrence internationale, en particulier pour l'industrie, etc. Et on dirait, un système fiscal doit être plus équitable en élargissant de manière importante l'assiette à travers la lutte contre la fraude et l'évasion, la rationalisation des dépenses fiscales et l'intégration de l'informel. Je peux vous dire, si vous avez suivi les assises, etc., c'est la position de la CGEM. Craché, c'est ça. Dans la position de la CGEM, c'est quoi? Un, baisser la charge fiscale, en particulier l'impôt sur les sociétés. Et quand on leur dit, oui, mais alors, le problème, c'est quand même un problème d'assiette. Vous dites, mais l'assiette, c'est quoi? Il faut lutter contre l'informel, il faut élargir l'assiette, il faut rationaliser les dépenses fiscales. Je dis bien, dans le rapport, c'est tout ce qu'il y a sur la fiscalité. Alors évidemment, parce que j'ai tout lu, il faut aller dans l'annexe 2, sur 25 notes, il y en a une de 5 ou 6 pages, vers la fin complètement du rapport, ou alors, oui, ben, effectivement, vous allez trouver quelques propositions intéressantes. Alors, mais soyons clairs. Parce que, honnêtement, moi, je pense qu'il y a de la mauvaise foi, là. Je le dis en tout respect, en toute responsabilité. Parce que, je répète, quand vous tenez à une réforme, vous la mettez en valeur. Si vous n'en parlez pas du tout dans la note de synthèse, vous en parlez à travers 10 lignes, et de la manière dont je viens de vous le dire, et vous renvoyez les quelques idées intéressantes, vous les perdez dans les 25 notes, dans un rapport de... Ça, je n'appelle pas ça. En toute honnêteté, je dis bien, si vous êtes de bonne foi, vous ne pouvez pas dire que vous avez prévu une réforme fiscale dans ce rapport. Ça veut dire simplement, et la technique malheureuse, c'est pour ça que je vous dis, à la limite même ça frise un peu la petite politique politicienne. Hein. On en est là. Parce que vous savez, c'est très simple, ce genre de truc justement est fait pour ça. On n'a pas envie de faire une réforme, on n'a pas envie d'en parler réellement. Mais comment c'est que, justement,
dans le cas de la fiscalité, parce qu'il y a une histoire, il y a les assises, etc. On s'attend bien, on se dit, ah, ben si on ne dit rien, on va nous dire, oh oui, mais où est la réforme fiscale? Donc du coup, quel est le compromis boiteux? C'est de pendre quelques pages et de les renvoyer. D'ailleurs, il n'y a aucun mot sur le retard de la loi cadre. Et après, quand on vient à la presse et qu'on vous posez la question sur la réforme fiscale, on dit, mais bien sûr, voilà ce qu'on a fait. Ce n'est pas très sérieux, honnêtement. C'est pas de la bonne foi, tout ça. Et honnêtement, je m'attendais à un autre comportement. Mais bon, passons. Maintenant, allons sur le fond. Je vous dis, ce qui est proposé dans le rapport général, c'est ce que le patronat, donc c'est une partie prenante, c'est respectable. Hein, dans ma bouche, c'est pas que je dis le patronat, c'est pas une insulte. Hein, c'est un partenaire social, respectable. Enfin, c'est pas le seul. C'est pas le seul. D'ailleurs, on a eu cette discussion à la veille des assises. On a dit que c'est toujours la voix de celui qui sait le plus se défendre. Bien évidemment, mais c'est pour ça. Mais encore une fois, je répète, pour moi, c'est une commission indépendante. Indépendante. Et il aurait pu quand même, sur ces 10 lignes qui sont là dans le rapport, ils auraient pu avoir quand même une vue un peu plus équilibrée. Ok, d'accord, dire baisser les impôts, mais avoir simplement, par exemple, ce qui est fait dans le rapport, alors perdu dans la note des annexes. Par exemple, l'élargissement de l'assiette, ben, c'est d'abord élargir, par exemple, l'assiette de l'impôt sur le revenu, et d'abord en uniformisant l'imposition, en soumettant toutes les sources de revenus à un même barème progressif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça, c'est un vrai élargissement de l'assiette. Évidemment, en élargir aussi l'assiette en soumettant les grandes fortunes, en soumettant les successions, en élargissant aussi la base de l'impôt sur les sociétés. Là aussi, malheureusement, on comprend tout de travers dans ce pays. Vous savez, Reagan, dans les années 80, quand il avait engagé sa révolution fiscale, il avait baissé les taux d'imposition. En même temps, il avait supprimé toutes les niches fiscales, quasiment. Il avait donc, en fait, baissé les taux, mais élargi réellement l'assiette. Nous, on s'est contenté de baisser, et je vais y arriver, de baisser les taux, mais on a gardé, au contraire, l'assiette fiscale, moi j'appelle ça un gruyère. On n'a pas arrêté de la travestir par des exonérations, des niches fiscales, etc. On le résultat, la pression fiscale aussi. J'aimerais bien, encore une fois, franchement, j'aimerais bien que quand même qu'on puisse m'expliquer qu'est-ce que aujourd'hui, nous sommes en 2021 et nous connaissons la fiscalité dans ce pays. Qu'est-ce que veut dire baisser encore le taux de l'impôt sur les sociétés? Alors, ne discutons pas de ce qu'il n'y a pas, discutons déjà de ce qu'il y a ici. Est-ce que vous savez? Ça, c'est les statistiques de la Direction générale des impôts. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, d'abord, les 70% des sociétés déclarées, enregistrées, déclarent des déficits systématiquement? C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas concernés par tout taux d'imposition. Les deux tiers, sinon 70%. Première chose. Maintenant, dans le tiers qui est bénéficiaire, est-ce qu'on sait que 90% des sociétés qui déclarent un bénéfice, en fait, relèvent du taux de 10%. C'est-à-dire qu'ils déclarent des bénéfices inférieurs à 300 000 dirhams et donc ne sont pas soumis au taux de 30% ni au taux de 37%. Ils sont soumis à 10%. Alors, de quoi on parle? Sincèrement, de quoi on parle? On dit baisser le taux. Le baisser encore en dessous de 10%? Alors que même dans les pays de l'OCDE, aujourd'hui, même Biden est en train de parler de taux supérieur à 20%. Enfin, est-ce que c'est raisonnable, ça? Et encore une fois, que la CGEM dise cela, à la limite, c'est de bonne guerre. Ils défendent leurs intérêts. Mais qu'une commission comme celle-là reprenne à son compte, je veux dire, l'une des recommandations les plus contestables, et même qui n'a pas de sens, partout, je répète encore une fois, vous êtes en train, en réalité, la baisse du taux dont il parle ici, c'est peut-être la baisse du taux que subit le 1% des sociétés, le 1%. C'est au mieux 1% des sociétés, des grosses sociétés, qui effectivement, parce qu'ils ont des chiffres d'affaires conséquents, des profits conséquents, payent effectivement une part de l'IR. C'est de ces deux sociétés qu'on parle. On ne parle pas de 99% de la PME, de la PMI. Elles ne sont pas concernées par ce débat.
elles ne sont pas concernées par cette baisse demandée. C'est, vous voyez, c'est quand même... Je veux dire, là, il y a un problème, d'abord simplement de lucidité dans les diagnostics. Il faut simplement s'informer. C'est comme d'ailleurs, il y a quand même quelques erreurs quelques problèmes, même simplement dans les données. Je lis ici, j'ai vu quelque part que le potentiel fiscal serait de 2%. Et probablement qu'ils n'ont pas lu au moins deux rapports récents, qui date, je pense, de décembre 2020, et de Banque Maghreb et de la DEPF, du ministère des Finances. Deux rapports qui font des évaluations du potentiel fiscal. Et ils se rejoignent finalement à quelques dixièmes d'unité près. C'est, le potentiel fiscal serait entre 6 et 7% de PIB. 7 et 6% de PIB. Ce n'est pas 2%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de parler d'une enveloppe budgétaire de l'ordre de 70 à 80 milliards, et pas de 20 milliards. Oui, et donc, mais encore une fois, tout ça est intéressant, parce que laisser entendre que le potentiel fiscal c'est 2%, ça veut dire, bon, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, hein, allez, circulez, il n'y a pas grand-chose à voir de ce côté. Je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des rapports officiels qui vous disent 7 points de potentiel aujourd'hui, selon ces études officielles, est compris entre, disons, une pression fiscale de l'ordre de 27-28% du PIB, alors qu'aujourd'hui nous avons autour de 20, disons entre 19 et 21. Donc il y a un potentiel de 6 à 7 points. Donc ça veut dire que c'est important. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'il faut faire les réformes qui s'imposent. Et les réformes qui s'imposent, il n'y a pas de mystère. Elles sont, il n'y a même pas besoin d'avoir une approche idéologique, politique. C'est le bon sens. Il faut simplement analyser l'état aujourd'hui de l'assiette fiscale et vous allez voir les composantes de l'assiette qui ne sont pas imposées ou qui sont très mal imposées ou qui sont sous-imposées. Et c'est là où il faut aller chercher l'argent. Cette démarche n'existe pas. Alors, on a cette pression fiscale qui grandit sur les mêmes, en fait. Évidemment, salariés, parce que, quand je vous dis, la retenue à la ressource, ils n'ont même pas... Une pression fiscale de 20%, mais tellement déséquilibrée, tellement pesant sur, d'abord, les revenus du travail plutôt que sur les revenus du capital, dans les revenus du travail, les salariés principalement, et troisièmement, sur la classe moyenne. Regardez la progressivité de l'impôt, vous allez tout comprendre. L'essentiel de la dite progressivité pèse sur la classe moyenne, il ne pèse pas sur les hauts revenus, il pèse pas. Encore une fois, c'est du bon sens, je vous dis. Le bon sens, il n'y a pas besoin d'être à gauche ou à droite, mais on évidence les solutions. D'ailleurs, ce sont des recommandations communes émanant des assises de la fiscalité réuni... des participants de différents bords, de différents corps. Il faut se poser la question. Moi, je m'attendais, encore une fois, tout simplement, d'abord, à ce qu'on pousse vers le projet de la loi cadre sur la fiscalité. On aurait pu commencer par dire simplement, capitaliser sur ce qui existe. Qu'est-ce qui existe? Il y a juste les résultats des assises. Même si, attention, je peux donner l'impression que les assises... C'est des recommandations un peu consensuelles, ça ne veut pas dire que c'est magnifique, c'est les solutions. Mais déjà, moi, je l'ai dit de toute façon, si on met en œuvre... C'est une bonne base de départ. Voilà, c'est mieux que rien, c'est toujours une bonne base. Et ce rapport aurait pu partir de ces recommandations et avancer, et pas simplement faire preuve un peu de courage, parce que là, encore une fois, courage très relatif, mais simplement... Un peu d'audace sur les recommandations. Je ne vais pas dire. Voilà, repousser un peu les lignes existantes, aller de l'avant. Le cas, par exemple, de la loi cadre sur la fiscalité que nous attendons depuis maintenant 2 ans. Ils auraient pu signaler, dire qu'il y a des assises qui sont sorties avec des trucs, nous attendons. C'est vrai, c'est étonné quand même, parce que je répète que le ministre des Finances, qui est toujours en exercice, les derniers jours des assises, s'est mis quand même publiquement devant la presse. Et il a promis que la loi cadre était pour le mois suivant. Nous sommes maintenant 2 ans, plus de 2 ans. Plus de 2 ans.
On peut enlever une année spéciale de la pandémie, mais ça reste quand même 2 ans. Le projet de loi, je pense qu'il avait promis que la loi de finances 2020 allait être dans le cadre de cette loi cadre. Oui. Mais après, on a dit que le projet de loi cadre était SGG, mais effectivement, depuis, on n'a plus de nouvelles sur l'état d'avancement de ce texte, puisqu'on ne l'a pas encore vu dans un conseil de gouvernement, encore moins dans les commissions des finances des deux chambres, et par la suite, l'adoption en séance plénière. Alors, justement, il y a un autre point qui a soulevé beaucoup de questionnements, c'est celui du financement de ces objectifs. Certes, il y a des éléments qui sont d'ordre beaucoup plus d'efficience, de gouvernance, de respect des lois, de nouvelles lois, par exemple. Mais il y a également des ambitions, par exemple, si on dit doubler les introductions en bourse, si on dit l'emploi, si on dit les énergies renouvelables, la baisse du prix de l'électricité, le PIB, la croissance. Il y a dans ces recommandations des éléments qui nécessitent des investissements importants, des financements. Et c'est des financements sur 15 ans. Or, il se trouve qu'actuellement, le contexte économique est assez singulier par la pandémie. L'État est vraiment au four et au moulin pour juguler un peu les effets de la pandémie, aussi bien sur les secteurs économiques que sociaux. Où est-ce qu'on va trouver des ressources de financement pour pouvoir au moins porter les recommandations dans ce rapport et les rendre effectives, leur donner vie quelque part. Parce qu'à un certain moment, on parle de la dette, de l'endettement. Est-ce que ça vous semble opportun dans le contexte actuel, dans le niveau d'endettement? Le financement, moi je dis toujours, dans ce rapport comme dans d'autres. Oui, il faut avoir les moyens de ses ambitions. C'est un moment de vérité. C'est un test de vérité. De crédibilité. C'est-à-dire que vous pouvez, à la limite, si on avait ce rapport, aurait pu être le meilleur du monde. On aurait pu passer notre temps, par exemple, mais ça, c'est un très bon, c'est un bon diagnostic, ce sont de bons projets, ce sont des bonnes alternatives. Arriver au financement, c'est là où, en fait, où ça passe ou ça casse, en fait. Où vous avez prévu les moyens de financement conséquents, et vous êtes crédible. Ou c'est pas le cas, et vous n'êtes pas crédible. Or, là aussi, en arrivant à la partie financement, là aussi, sur 170 pages, il y a peut-être 3-4 pages, et on essaye de comprendre. D'abord, on nous dit, alors, sur l'évaluation, on nous dit, ça commence par 4%, puis en croisière, ça devrait monter à 10 points de PIB. On ne sait pas comment c'est calculé, mais bon, passons. On a juste envie ensuite de dire, très bien, au regard, comme vous dites, de ces ambitions d'investissement, notamment dans la protection sociale, etc., on a envie de dire, alors quels sont concrètement les moyens? Sachons, et ça n'échappe à personne, et ça ne peut échapper à aucun des membres de cette commission, que nous sommes un pays, je n'arrête pas de le dire, de le répéter, n'importe qui peut le vérifier, nous sommes un pays, finalement, qui a peu de ressources, autre que les ressources fiscales, justement. Nous n'avons rien, nous ne sommes pas un pays qui a une rente pétrolière, qui a même les revenus des phosphates. Regardez le budget, ça ne représente pas grand-chose. Donc, un pays comme le Maroc n'a que son économie, donc que son assiette fiscale, précisément. Donc, que son système fiscal. Parce qu'autrement, quelles sont les ressources? Vous n'en avez pas 36. On a eu ce débat lorsque, justement, dans le cadre de la crise Covid, etc. Vous avez la planche à billets, oui. Alors, la politique monétaire, ça c'est Banque du Maghreb qui fait le veto, entre parenthèses je dis, là aussi, moi je connais des membres de la commission, je connais leur position, etc. Et sincèrement, en arrivant à cette partie, il n'y a pas grand-chose sur la politique. Ils n'ont pas, quelques passages sur les banques qui doivent être un peu plus coopératives, etc. Mais Sur la politique, sur l'indépendance, la grande question de l'indépendance de la Banque centrale, par exemple, rien du tout, encore une fois, ligne rouge, tabou, on n'en parle pas. Ok, très bien. Toujours est-il donc que la politique monétaire, très limitée, compte tenu du dogmatisme, de l'orthodoxie, je dirais, surannée de la Banque centrale. Donc on ne touche pas. Qu'est-ce qui reste?
Eh bien, reste l'endettement. Il n'y a pas grand, On ne fait pas de réforme fiscale. On se refuse. Vous voyez bien qu'on procède par élimination. Sur les trois grandes possibilités, je répète, politique fiscale et budgétaire, politique monétaire et de crédit, endettement. Pas 36 solutions. Alors, après, la coopération internationale, c'est des bricoles. Pas sérieux. On ne va pas fonder un modèle de financement sur ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Un, réforme fiscale, out. Deux, politique monétaire, impossible. Mais qu'est-ce qu'il reste ? Il reste l'endettement. Et c'est ce qui vous... Alors, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait une lecture progressive. La synthèse, le rapport, les annexes. Les annexes. Et bien là, justement, dès le rapport de synthèse, dans les 16 pages, on a trouvé le moyen de dire que l'endettement est incontournable. Donc pour vous, on lui accorde la place qui c'est le fait de le trouver blanc, si début. Incontournable. Incontournable. Ça veut dire que on annonce sa couleur. Vous imaginez, vous voyez, on laisse de côté les solutions. Alors justement, du coup, effectivement, les vraies solutions d'avenir, compte tenu donc des contraintes, des lobbies, des trucs, on se résout finalement à la pire des solutions. Surtout quand je vous dis l'endettement, Nous sommes un pays déjà lourdement endetté. Et là, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'endettement, les dangers, ce n'est pas ça la question. Moi, je vais être très réaliste, très pratique et simplement discuter la faisabilité. Parce que si on était un pays, par exemple, dont le taux d'endettement est de 40-50%, on dirait, bon, ben, ça va, il y a encore une marge de progression. Mais nous sommes un pays dont le taux, l'endettement public, approche, doit être autour, les chiffres tardent à venir et il y a de l'opacité parce qu'on a peur d'avancer les chiffres de 2020, parce qu'en 2020, c'est des records d'endettement. Vous voyez, toujours est-il que le taux d'endettement de la dette publique est autour déjà de 100% du PIB. Quand vous êtes à 100% du PIB, est-ce que vous croyez qu'il vous reste une grande marge, une large marge? Enfin, il faut être raisonnable. Même si je sais bien que sur le plan théorique, il y a tout un débat international, oui, on va vous dire c'est quoi 120, le seuil, ouais. etc. Mais le simple bon sens, encore une fois, quand vous êtes à 100%, il ne vous reste pas beaucoup de marge. Et donc, même si c'est une mauvaise solution, elle n'est même pas faisable, elle n'est même pas pratique parce qu'elle ne dégage pas une marge pour financer ces 10 points. Je vous rappelle, 10 points, c'est quand même une centaine de milliards de dirhams. Sur l'endettement, alors que vous avez déjà 1000 milliards d'endettement, c'est quoi ça? Donc vous voyez que, en fait, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui va arriver demain? J'ai presque envie de dire deux situations. Soit qu'on ne trouve pas les moyens. Il n'y a pas de moyens. On n'a pas fait la réforme. Il n'y a pas de politique monétaire d'accompagnement. Et la dette, on va ailleurs. Donc, vous savez que ça, n'essayons pas de jouer à l'oiseau de mauvais augure, mais les taux d'intérêt sont en train de monter. Ils pourraient, en tout cas, difficile d'imaginer qu'ils vont rester à des niveaux négatifs ou très faibles. Hein. Bon, mais enfin, demain, on peut s'adresser au marché mondial et on peut trouver que sur le marché des capitaux, difficile de s'endetter. Difficile de trouver les moyens de s'endetter. Donc, on aurait des projets sans financement. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'on a construit des châteaux. J'allais presque vous dire... compte tenu de nos relations avec l'Espagne, ne parlons pas de châteaux en Espagne, parlons de châteaux au Maroc. on a des projets sans financement. Ou alors, c'est possible qu'on trouve quand même des financements. Mais alors, ça sera des financements qui vont alourdir encore plus l'endettement du pays avec tous les problèmes, je n'ai pas besoin de détailler. On connaît l'histoire du Maroc depuis deux siècles et malheureusement tellement chargée sur cette question de la dette que je pense qu'il n'y a pas besoin de plus de commentaires. Donc, vous voyez que là aussi, quand on arrive au financement, dans le meilleur des cas, on se dit « ça n'est pas finançable », dans le pire des cas, on se dit « c'est dangereux ». La voie qu'on nous propose est dangereuse. L'alternative reste très discutable. Alors, dans tout ce que nous avons dit, quel est le rôle aujourd'hui du politique? Parce qu'il a, une responsabilité à assumer tout au long de ces années. Il a
son mot à dire. Il a également la responsabilité de formuler, d'ailleurs, c'est ce qui revient souvent auprès de la Commission, de dire, moi, je vous fais des propositions, des orientations stratégiques, libre à vous, plus tard, de savoir comment les décliner en des actions, en des mesures raisonnables et raisonnées, réalistes et réalisables. Aujourd'hui, et d'ailleurs, nous sommes à la veille des élections législatives, quelle place du politique ? Parce que, pour moi, pour l'instant, c'est la grande inconnue. On parle d'un plan national pour le développement qui sera en fait la résultante d'un consensus général entre acteurs économiques, acteurs politiques, acteurs sociétaux qui vont s'engager. Mais le rôle du politique... De quelle politique vous voulez parler ? Alors, c'est quoi le politique ? On garde de loin le rôle du politique. L'État... pour prendre l'acteur politique, l'acteur... Vous voulez dire les partis politiques, c'est ça ce que m'a dit tout partisans. En fait, le pouvoir, quand on dit parti politique, c'est aussi pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Ils ont une responsabilité aussi, ils ont aussi leur mot à dire, parce que s'ils s'engagent, ils devront bien évidemment, tenir bien parole. Bien évidemment, mais je vais vous dire, vous parlez de parti. Vous savez, quand on, là aussi, en lisant ce rapport, j'assure, c'est assez triste hein, de constater qu'une élite très respectable, hein, je répète, pour laquelle on ne peut que avoir le plus grand respect, il a aussi arrivé devant ce fait politique majeur, effectivement, qui est, comme vous dites, OK, on a un modèle de développement, un nouveau modèle, ben oui, il faut des acteurs pour le mettre en marche. Mais il n'y a pas simplement il y a un parti pris en fait qui est conservateur, qui est même dangereux à tous les niveaux d'ailleurs. Je veux dire, moi, dès le début, on est étonné. On nous dit, alors, première chose, une commission qui doit quand même, encore une fois, sortir des sentiers battus et faire preuve d'un peu d'audace. Qui commence tout de suite par vous dire, nous travaillons dans le cadre de la Constitution de 2011. Donc tout de suite, le plafond de verre, c'est la Constitution de 2011. OK. Alors avec toutes ces tares que l'expérience de 10 ans a mise en évidence. Et là, je pourrais vous donner mille et un exemples économiques, d'ailleurs, pas pour leur part, économiques. Bon, vous montrer comment la Constitution de 2011 est un obstacle au développement économique de ce pays. Cette question... ne fait pas l'objet de préoccupations, et donc on est dans la conscience. Très bien. Ensuite, même dans les analyses, tout de même, je vous assure, moi j'étais choqué, réduire la question donc du retard de mise en œuvre de la Constitution de 2011. On dit, bon, tout le monde sait qu'effectivement, le fameux Tzimzil de la Constitution traîne. Mais pour les gens qui ont rédigé ce rapport, il y a un responsable et un seul, ce sont les partis politiques et le gouvernement. Est-ce que c'est sérieux, sincèrement ? Est-ce que c'est raisonnable, ça ? Je vais dire, n'importe qui peut constater que, au moins, je vais dire, les responsabilités sont largement partagées entre l'État, disons-le, l'État, c'est-à-dire le véritable détenteur, le véritable centre de pouvoir, et... les gouvernements, le Parlement, le truc, bon. Au moins, les responsabilités. Venir comme ça, dans l'analyse, et dire si la Constitution n'a pas été mise dans les dents, c'est la faute des partis, déjà, bon, bah, c'est tout un... Vous avez annoncé la couleur. Ouais. Bon. Et ensuite, ben, ça part comme ça. Il y a un parti pris, je dirais platement, franchement, parce que ça peut être un peu plus nuancé, platement anti-parti, non pas que je défende les partis, ils ont leur tare, effectivement, etc. Mais je veux dire, réduire la réflexion à cela, ça fait un peu court. Mais en fait, le plus dangereux dans l'affaire, c'est que, alors, vous voyez, d'un côté, on prend l'état de droit, le dialogue, les partenariats, la société forte. Et on est dans une, c'est-à-dire dans cette opération de décrédibilisation des partis politiques, qui ne date pas d'hier. Justement, le pouvoir politique, le vrai pouvoir politique, en vérité, passe son temps à décrédibiliser les partis. C'est un peu... Et après, on vient leur reprocher de ne pas être capable d'eux. C'est un peu... Tout simplement. C'est quand même assez curieux. Mais cette commission fait
Tout simplement dans le mur. Alors, mais là où je vous dis, là où ça devient dangereux, c'est qu'en réalité, vous dites le personnel politique, les partis politiques, mais on ne leur laisse aucune possibilité, je veux dire, combien même, ils seraient volontaires, ils auraient la possibilité, on ne leur laisse pas, dans les mécanismes prévus dans ce rapport, on ne leur laisse aucune possibilité. Puisqu'on vient vous dire, alors déjà, à la base déjà, vous y avez fait allusion tout à fait au début de votre intervention, vous avez dit, on a un rapport, bon, effectivement on a un rapport, très bien, ce rapport, est-ce qu'on doit rappeler des évidences ? Et le fruit de personnes, encore une fois je dis, respectables sur le plan personnel, humain, je n'ai rien à dire, respectables. Mais enfin, que personne n'a jamais élu. Or, ils nous produisent finalement quoi ? Un projet pour notre avenir. Ils le présentent au roi, qui le valide, et ensuite, maintenant, parce que j'ai envie c'est de ça, vous dire maintenant, c'est ça l'étape ce que nous sommes en train de faire, vous et moi, en ce moment, ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Est-ce que nous sommes en train de discuter de ce rapport avec un objectif quand même, qui est de l'amender, de l'améliorer ? Oui, c'est ça. Ou est-ce qu'on est en train de discuter de quelque chose qui est déjà gravé dans le marbre, qui s'impose à... Et, attention, quand même, moi je m'en tiens simplement au communiqué officiel du Palais Royal lorsque le rapport a été présenté. Il invite la société, les partis, etc. à mettre en œuvre. Discuter, oui, discuter, mais mettre en œuvre. Alors, juste envie de dire de quoi. Comment, là encore une fois, peut-on soutenir cette incroyable contradiction ? Qui est d'un côté dire l'état de droit, la société forte, et puis de l'autre côté, lui imposer de droit divin. Des orientations qui ne sont quand même pas rien. Des orientations qui déterminent l'avenir. C'est quand même fort. Et donc alors, puisque... Il n'y a pas de société civile, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de crédibilité, rien. Mais qu'est-ce qui reste ? Il reste la monarchie. Nous sommes, soyons clairs, nous sommes dans une monarchie exécutive. Mais déjà, vous voyez là, ça veut dire, depuis, si on prend simplement l'expérience des 20 dernières années, justement, un des problèmes fondamentaux qui explique l'échec des choix qui ont été faits, c'est justement le mode de fonctionnement de la monarchie. Exécutive. C'est-à-dire que nous sommes dans un système où les choix, justement, les choix économiques notamment, les choix, j'ai parlé des grands chantiers, les choix qui déterminent l'économie et le développement du pays sont faits sans concertation, sans délibération, sans légitimité démocratique. Ils sont gérés d'ailleurs dans la dilution des responsabilités. Qui est responsable de quoi ? Ils sont aussi réalisés sans aucune reddition des comptes. Un projet a failli. Un plan n'a pas réussi. Qui est responsable de quoi ? Rien. On l'a vu dans le cas du plan Maroc Vert. Plan Maroc Vert s'achève en 2020. On en produit un autre pour 2030. Est-ce que quelqu'un a pris la peine minimale de discuter justement de l'expérience du plan Maroc Vert avec ce qu'elle a eu, ce qu'elle n'a pas eu, avec ses avantages, ses inconvénients ? Rien du tout. On est dans l'incapacité de discuter de quoi que ce soit, donc il n'y a pas de reddition des comptes. Alors, vous êtes dans ce système-là, qui, je répète, pas de légitimité des choix, pas d'illusion des responsabilités et pas de reddition des comptes, et déjà donc ces problèmes se posaient au niveau, j'allais dire, justement des politiques, c'est-à-dire que séparément pour chaque politique. Là, ce que propose cette commission, c'est de généraliser et systématiser ce système. C'est-à-dire que ce qui est proposé à travers le pacte et, alors on l'appelle pour l'instant, mécanisme, bref, une sorte de commission qui serait directement rattachée au roi et qui aurait donc cet incroyable super pouvoir d'élaborer, de décider, de suivre, de contrôler, de... Enfin, est-ce qu'on est un tant soit peu conscient de l'ampleur de la dérive ?
de la dérive. Au niveau des régions, ben vous me direz, en fait, on consacre ce qui existe déjà. Mais là, au moins, on n'a pas de don d'aller. Le super Wally va être le véritable maître d'œuvre de toutes les politiques, de tous les autres. Et les, alors, les élus, vous imaginez? Et avec ça, en même temps, on se permet de parler de régionalisation, de décentralisation. Enfin, de quoi on parle? Je veux dire, c'est le contraire. C'est l'exact contraire de ce qu'il faudrait faire. On s'attendait à ce que cette commission, effectivement, eh ben, puisse un tout petit peu d'audace, tout petit peu, pas beaucoup, mais dire que, bon, ben, effectivement, dans le système politique, je veux dire, par exemple, des choses très précises, l'article 49 de la Constitution, qui vous dit que tous les choix stratégiques relèvent du Conseil des ministres. Ben, c'est pas un article qu'on devrait faire évoluer un peu, progressivement. Eh ben non, rien. Rien du tout. Donc, je dis bien, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, mais plus grave, c'est que maintenant, ces mêmes causes sont généralisées à tout ce modèle de développement. Il va hériter de toute l'état des politiques et des expériences malheureuses qu'on a déjà. Il va les prendre en charge et on nous dit qu'il va faire mieux, il peut faire mieux que ce qu'on a déjà vu. Là, on est, franchement, on est sur un terrain qui relève du coup des valeurs. Parce que là, je suis désolé, ou on est démocrate ou on ne l'est pas. Hein. Ou on est démocrate ou on ne l'est pas. On ne peut pas en même temps se dire démocrate et ériger en modèle impératif, s'il vous plaît, ben, un système et des pratiques totalement antidémocratiques, disons-le clairement. Et pourtant, ce n'est pas pour la défendre. La commission, elle a bien expliqué que son rapport ne se substitue, en fait, dans son travail, il ne se substitue pas à un gouvernement, il ne se substitue pas à un Parlement. Il faut dire aussi que, à part quelques partis politiques qui ont été assez, je dirais pas sceptiques, mais qui n'ont pas totalement adhéré aux travaux de la commission, qui demandent un temps de réflexion, tous les autres, ils ont applaudi. Donc, quelque part, c'est comme l'État avec le secteur privé. À un certain moment, si vous avez des acteurs qui sont à des rythmes... Vous savez, c'est pas... Le travail d'une commission comme ça, c'est effectivement d'écouter et de restituer. Dans tout ce qu'on écoute, il peut y avoir des choses intéressantes, d'autres pas intéressantes, mais il faut restituer. En tout cas, les choses importantes doivent être restituées fidèlement, sincèrement. Là, par exemple, vous me dites les partis politiques. Moi, je ne parle pas pour les autres, mais je peux vous parler au moins quand même pour la FGD. La FGD a proposé, a déposé un document. Dans ce rapport, il n'y a pas 0,1% de ce qui est dans les propositions de la FGD. Je répète encore une fois, ils ne sont pas obligés je ne suis pas en train de dire qu'il aurait fallu prendre en compte. Non, pas du tout. Mais au moins quand même, au moins dans les... Si on estime que dans les différentes idées, il y en a quand même qui méritent d'être prises en compte, etc., eh bien on les met. Dans le rapport, on dit qu'on a écouté 10 000 personnes, qu'on a très bien, mais honnêtement, moi j'ai lu aussi le rapport d'ailleurs, où il y a les rencontres avec les différentes composantes de la société civile, etc. Mais sincèrement, je ne retrouve, je suis désolé, on peut faire une analyse de texte, je ne retrouve pas une grande partie de ce qui est exprimé par la société civile. Alors qu'on ne vienne pas après me dire qu'on a écouté tout le monde et qu'on a restitué ça dans le rapport. Je ne vois pas qui c'est dans cette commission aurait proposé cette instance qui va faire tout à la place des partis politiques, du gouvernement, de la population, de la société civile. Enfin, c'est une dérive grave. Ben, on espère que le débat évoluera également avec les acteurs politiques. On aimerait bien les entendre sur ces sujets de la manière
la plus franche et la plus objective, parce qu'on est un Ah, mais vous ne pouvez pas, je vous dis, ce déclic de changement et de transformation, ça ne peut pas être qu'une volonté exprimée. Il faut travailler, œuvrer pour, sur tous les plans, sur les plans politiques, économiques, financiers, sociétales, dans l'approche parité, dans l'approche genre. Il y a beaucoup d'éléments de débat qui sont évidents lorsqu'on on lit ce rapport qui s'impose à nous de manière totalement naturelle, parce que ce sont des sujets desquels nous avions débattu en long et en large. Quand on fait par exemple des diagnostics, ce sont des choses que nous connaissons déjà, on est en attente justement de solutions, pas des solutions miracles, mais un début de réponse, une orientation, quelqu'un qui indique par exemple au moins une direction pour aller de l'avant. J'espère que, en tout cas, je pense que ce rapport a réussi à faire quelque chose, celui de d'enclencher le débat, en attendant également de que tous les acteurs puissent contribuer à ce débat pour qu'il y ait que ce plan soit consensuel, et pour ceux qui vont s'y engager, qu'ils sachent qu'ils seront devoir rendre des comptes plus tard, parce que c'est des objectifs dont on a parlé qui sont très ambitieux. Leur réalisation nécessite beaucoup de prérequis qui malheureusement ne sont pas réunis pour l'instant présent. Les auteurs du rapport ont souligné qu'effectivement, pour atteindre ces objectifs, tous ces déclics doivent être enclenchés en même temps, ce qui semble être quelque chose de très difficile, parce que les secteurs évoluent chacun à leur rythme, ça ne se fait pas par baguette magique. On peut rester, si Najib Arsbi, à débattre des heures durant, parce que c'est quand même un sujet très transverse et transversal. Il y a beaucoup également d'éléments, en parlant de la justice sociale, du capital humain, de la jeunesse du pays, de la participation féminine au développement du pays. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir plus en détail, mais l'idée majeure est exprimée lors de cet entretien, à savoir que pour se donner les moyens de ses ambitions, il faut donner un coup de pied dans la fourmilière. Le cas de la fiscalité est celui le plus éloquent, parce que ça fait plus d'une décennie que cette question de la réforme fiscale revient en boucle, et 10 ans plus tard, on n'a toujours pas pu mettre en œuvre les principes, du moins les premières recommandations issues des assises de la fiscalité. La question de la politique monétaire, effectivement, la planche à billets, elle est revenue régulièrement auprès d'éminents experts économistes marocains. Ce sont vraiment des lignes qu'on gagnerait à faire bouger, en fait. C'est ça l'objectif, c'est donner un déclic de transformation de la société et du changement. Moi, j'étais très, comme d'habitude, très heureuse d'avoir votre avis sur le rapport. C'est une analyse critique et objective, en toute sincérité et sans langue de bois, pour justement faire avancer la réflexion et le débat sur les prochaines étapes. C'est Najib Arsbi, je rappelle que vous êtes économiste, expert, universitaire, enseignant. Vous avez formé des générations d'économistes. Merci encore une fois de nous avoir reçus. Merci pour avoir permis ce débat, qui n'est pas malheureusement dans le paysage médiatique officiel, malheureusement n'est pas permis. Ben, je vous remercie pour avoir permis ce débat et pour l'abriter et j'espère le développer. Tout le plaisir est pour nous. Merci encore. Au revoir. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.